Oui, alors voilà, on va voir si. Bienvenue chez moi, je m'appelle Jordan, j'ai 34 ans maintenant. Et je suis influenceur mocassin. Hey, il porte une Milo! Salut Vogue! Bienvenue dans ma maison, à Beverly Hills. C'est difficile de dire ce que je fais chez Bonne Gueule en un mot, mais disons que je conçois, je crée du contenu vidéo, textuel, audio aussi. Par exemple, le plus connu que je fais, je pense, c'est Panache, qui est sur le style masculin. Je montre des tenues, des associations de couleurs, de textures, de coupes. Et puis, je réfléchis à des axes de communication pour parler de nos vêtements. Et aussi, je gère des projets un peu spéciaux. Je gère, par exemple, nos collaborations avec d'autres marques. Donc, ça me fait rencontrer plein de gens et c'est très varié comme métier. Ça, c'est ce que je fais au quotidien, mais avant tout, je suis un père de famille et c'est d'ailleurs la plupart de mon temps, je le dédie à ma famille et à ma fille. C'est plus important que tout le reste. J'essaie de lui apprendre d'avoir de la confiance en elle et en même temps beaucoup d'autodérision. Et d'ailleurs, ma fille est devenue le sujet principal de mes photos. Hein. Désolé pour ma compagne. La photo est devenue une passion depuis à peu près 3-4 ans. Et ben, j'ai découvert une activité contemplative, presque méditative, presque thérapeutique. Et dès que je peux, quand ma compagne me laisse faire, je pars un week-end pour prendre des photos comme ça tout seul. C'est des moments qui sont très très précieux. Des moments où en fait on ne fait que de la photo et tout ce qui importe c'est le sujet qu'on va photographier, voilà quel angle va être le mieux possible. Il y a des photographes que j'admire bien sûr, comme Stephen Shore, comme Jules Meyerowitz, il y a des William Eggleston aussi, il y a des gens contemporains, Joe Greer et William Furbeck. J'ai aussi une autre passion et d'ailleurs ça je le montre assez peu de gens le savent sûrement, mais je fais partie d'un groupe de rock, voilà, je chante. On me voit chanter parfois dans les panaches, mais je fais... C'est pas de la vraie chanson, je chantonne là. Mais je chante vraiment. Hein. La musique qu'on fait, c'est du rock assez classique. On a par exemple du AC/DC, du Led Zeppelin aussi. Et je dirais que c'est plutôt une chose que j'ai en commun avec ma manière d'appréhender le style. C'est de m'appuyer sur des pièces classiques et ensuite d'aller avec des pièces fortes, dynamisées, régénérées, donner un coup de fouet. Quoi. Comme pièce forte, par exemple, j'aime beaucoup ce pantalon Kamoshita. Qui est comme un imprimé de cravate, un imprimé madère, qui est en fait sur un pantalon qui est en forme de pyjama. La pièce de chez Bonne Gueule à laquelle je suis le plus attaché, c'est assez facile. En fait, il y en a deux, c'est les collaborations que j'ai pu faire, que j'ai eu la chance de faire avec Bonne Gueule. Donc, il y a la veste Denver, c'est une jungle jacket. Et il y a ce blouson Spencer, qui est un blouson boxy vraiment à l'ancienne, avec deux poches poitrine, et dans un bleu assez soutenu. 6 à 5 minutes, sécurité avant tout. On est à Bordeaux depuis 2 ans et avec l'arrivée de ma fille, j'ai pas pu tellement arpenter la ville, mais j'ai quand même 2 adresses qui me viennent en tête. Pour les vêtements, il y a la friperie Dimi, qui est un surplus militaire, pas cher et où ouais, ça foisonne, il y a beaucoup de choses. J'y ai acheté notamment un chino et un short militaire. Il y a tellement de choses, en fait, j'aime bien m'y perdre quand j'ai un petit peu de temps. Beaucoup de pistes cyclables à Bordeaux. Si vous avez un vélo et l'envie de pédaler, vous savez où me trouver. Il y a une autre adresse culinaire cette fois, c'est les Halles de Bacalan où je vais de temps en temps le week-end, le dimanche avec des amis, où on est sur des manches debout et puis chacun peut aller sur les stands du marché, chercher la cuisine qui te fait le plus plaisir. Moi j'adore Wayo Wayo, c'est le roi du rougail saucisse et je dois dire que c'est excellent. Dernière adresse, c'est les Marquises, c'est un petit bar à cocktail. Ok, t'es bon, t'as ce qu'il faut? Pardon. Les gens sont d'un sans-gêne.